Aujourd'hui, je te donne 6 étapes pour parfaitement régler ton sac à dos et arrêter de te péter le dos. La première étape, c'est de desserrer toutes les sangles. La sangle ventrale, les bretelles, la sangle pectorale et les sangles supérieures juste ici qui s'appellent les sangles de rappel de charge. La deuxième étape, c'est d'enfiler ton sac à dos chargé comme si tu partais en randonnée. La troisième étape, c'est d'accrocher la ceinture ventrale, la déposer sur tes hanches et la serrer doucement. Une ceinture bien serrée, elle doit appuyer sur les hanches mais pas les compresser. Pour la quatrième étape, tu dois simplement tirer les bretelles jusqu'à ressentir le poids du sac sur l'avant des épaules. Attention, si tu sens le poids du sac sur l'arrière des épaules, c'est que tes bretelles sont trop serrées. Pour la cinquième étape, il faut juste tirer les sangles de rappel de charge de manière à plaquer le sac contre ton dos et répartir le poids sur l'arrière des épaules. L'erreur la plus commune avec ces sangles, c'est de trop tirer dessus et de faire porter le poids sur seulement l'avant des épaules. Pour terminer, serre légèrement la sangle pectorale de manière à ce qu'elle soit tendue sans couper ta respiration. Et voilà, like et abonne-toi. Je te donne un conseil par jour pour passer plus de temps dans la nature. À demain!